Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, alors là ça doit être la 30e prise que je suis en train de faire, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Donc je vais essayer de faire vite pour faire cette vidéo. En fait aujourd'hui j'ai sorti les enceintes pour faire des photos, voilà comme ça pour le plaisir. Et croyez-moi c'était une sacrée organisation parce que c'est vraiment au niveau de la place le gros bazar. Dites-vous que là il n'y a qu'une partie des enceintes et qu'il y en a le double dans l'autre pièce avec les amplis qui vont avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, je voulais montrer une par une, hein. Je vais pas trop faire de commentaires dessus. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de me dire quelles enceintes que vous aimeriez voir à l'écoute, voilà, tout simplement, hein. Tout simplement à écouter. Et même après, en comparatif, après, il faut que les enceintes, ce soit bien évidemment équivalent. Voilà, qu'on mette des modèles... avec des HP de par exemple de 20 comme les KEF ici présentes. Voilà en duel avec je sais pas les Warfedal Valdus 500. Donc voilà, vous voyez à peu près le ce que je veux dire. Ou même par exemple même les Pioneer HPM 900 avec les Sony SSG4. Bon voilà, après de toute façon je ferai des comparos comme ça au fur et à mesure. Et voilà. Donc je vais vous montrer un peu les enceintes. Donc j'espère que mon fils ne va pas intervenir. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de couper la vidéo. Donc je vais essayer de faire vite. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, les TI-5000. D'ailleurs, il y a des enceintes que vous connaissez déjà. Hein, parce que vous les avez déjà vues. Les 240 Ti. Fameuse Mania de Transpulse 1500 que j'aime beaucoup, mais ouais, en fait, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que Mania, ils nous ont sorti une paire d'enceintes où ils se sont pas fait de marge dessus, mais elle marche vraiment bien en fait. C'est surtout ça qui est très plaisant. Là, on a les IQ Trend 3. Alors, IQ qui est une marque allemande. Hein. Et en fait, c'est des enceintes qui ont été faites à Cologne. Voilà. Il y en a très peu de celles-là. Je vous montre pas la face avant parce que j'ai un médium qui est en réparation, donc il y a un trou. Les JBLS 412P. D'ailleurs, il me semble que. Sur ces JBL, il y a les HP qui sont tirés des modèles L890 ainsi que les JBL TL260. Et derrière, il y a un ampli qui alimente le HP de grave. Les focales. JM Lab Focal Onyx 710. Celles-là aussi, elles sont particulières. Chez Focal, j'aime bien les anciennes séries. Les anciennes. Hein. Donc Focal Antea, Focal. Enfin, JM Lab, même si c'est la même chose. Les KEF Q900. J'aimerais bien les comparer avec les Q950 pour voir la différence avec le fameux coaxial Uniq comme ils appellent. Ah, l'Eclipse Tangent 500, celle-ci c'est quelque chose, hein. Ça marche bien, ça s'étouffe pas, Julien. JBL HP 580, bon bah elle, on voit pas grand chose, mais en fait le boomer, il y a deux boomers à l'intérieur de l'enceinte, en push-pull, deux HP de 25, avec la sortie, les vents qui se situent en haut. Ensuite, les Infinity SM 255, dont je vous ai fait des vidéos.
Julien, attends, laisse papa faire, s'il te plaît. Les aléas des enfants. Vous avez vu, j'ai de la chance, il touche pas à mes boomers. Hein. Pourtant, il a de quoi faire. Hein. Donc, les Kenwood LS1000G, ouais. Celle-ci, c'est les perles rares. Comme une sonorité vraiment. Vraiment audiophile, ouais. J'ai envie de dire audiophile parce que c'est le terme qui leur va bien, elle. Avec les petites. C'est les bébés qu'elles ont fait, ça. C'est les Kenwood LS500G. Avec une très belle fabrication. Hein. 13 kg sur la balance. On fait des très beaux modèles. Là, on a JBL SVA 2100. Donc là, c'est pas une compression. C'est juste un pavillon avec un tweeter à dôme dedans. Voilà, c'est vrai. Des fois, on pourrait croire que c'est une compression. Non, c'est un tweeter à dôme. Dôme souple, ce qui fait que le son est très doux. Au niveau des aigus, c'est pas du tout agressif. En apolito, comme ça. Elle marche vraiment bien, c'est JBL. Très belle réussite. Les clips chez F7, que vous connaissez bien. MK3. Sacrée enceinte, alors. Ouais, les beaux bébés. Là, on a les JBL Studio 590. Vous voyez, elles ont deux HP de 20, mais elles ont du coffre. Elles ont du coffre. En même temps, la caisse est assez imposante. Bon, elles ont de quoi respirer. Juliane, tu peux les jouer ailleurs, s'il te plaît? Tiens. Les Infinity, qu'à passant. Ah, les Infinity, ouais. Alors celles-là, en fait, je les aime beaucoup. Mais le problème que j'ai eu, c'était avec le bas médium, qui avait tendance à être trop proéminent quand je les avais comparés avec les Infinity Kappa 9-2, donc, qui sont sortis avant. Et on avait mis après un préampli tube, et directement, ça s'est vraiment adouci. Hein. Ça s'est vraiment adouci, les registres étaient meilleurs, surtout sur les détails, avec le Twitter Emit à ruban. Mais ouais, lui il m'embêtait un peu quand même. Dur à apprivoiser. Bon, après les deux HP de 30 cm hein, qui font un super boulot. Pas forcément dynamique, mais ça descend très bas dans le grave. Après les Sony SSG4. SSG4, ouais. D'ailleurs, cette série-là, c'est les enceintes Sony que je préfère, les SSG. Même si j'aurais aimé avoir les SSG9. Mais bon, elles sont tellement rares que je peux toujours rêver. Peut-être un jour. Après les HPM 900 de chez Pioneer. À savoir que j'ai eu les HPM 110 aussi. Donc c'est vrai que après ça, chez Pioneer, ça reste la même signature sonore. J'aurais bien aimé les comparer ensemble, mais voilà, vu que je les ai revendus, c'est pas possible, mais bon. Ensuite, on a les pylons Onyx 30. Pylons, la fameuse marque polonaise, pas très connue d'ailleurs, qu'ils ont fait des enceintes haut de gamme. Hein. Pylons en série Diamond. Elles ont eu du succès, elles ont bonne presse. Et enfin, on arrive sur la dernière série d'enceintes. Les Warfedal. Warfedal Valdus 400 et 500. Donc voilà, bon, c'est vrai que les Warfedal, celles-ci, elles ont pris un peu cher. Julien, s'il te plaît, hop. Ah, décale-toi un peu. Hop là. Ah, c'est pas évident de faire une vidéo avec le fiston à côté, je vous cache pas. C'est très très difficile. Mais bon, voilà, après on fait avec. Bon voilà, celle-ci là, les Warfedal Valdus 500, je ferai une petite vidéo. Je pense que c'est plus pour les comparer avec les Kef. Que mine de rien, elles ont pas un son dégueulasse. Hein. Elles ont pas un son dégueulasse. Donc voilà les amis, vous avez vu un peu tout ce beau monde à la maison. Ça a été du sport hein, pour tout déplacer comme d'habitude. C'est très sportif, j'ai fait mon sport de la journée.
Et puis n'hésitez pas à me dire lesquels que vous voudriez écouter, voilà, qui vous ferait plaisir à écouter. Mais dans tous les cas, je vais faire des vidéos sur chacune. Mais bon, après, ça prend du temps. Et je pense même que je ferai des vidéos, vous savez, sans faire comparatif. À la limite, je vais juste faire des écoutes. Julianne, mets pas tes mains dans les boomers, attention. Vigilance. Bien. Tu viens? J'ai la peur au ventre quand je vous fais la vidéo, j'ai vraiment la peur au ventre. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais devoir vous laisser. J'aurais bien aimé étoffer un peu plus la vidéo, mais là voilà, c'est pas facile avec le petit. Donc bah, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation très brève, hein, mais juste pour vous montrer un peu les enceintes. Cette petite collection d'ailleurs que j'aimerais bien garder, mais le problème c'est qu'il va falloir que je fasse un peu de place, parce que j'ai vraiment pas de place dans ma maison. En plus c'est une location, donc il faudrait que je puisse acheter et avoir vraiment un local dédié aux enceintes. Voilà les amis. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao. Prenez soin de vous.